Je m'appelle Raphaël Bouchèze. Mon rôle est de piloter la fabrication du caviar avec nos éleveurs que l'on a sélectionné en amont en fonction de notre cahier des charges. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment on fait du caviar. Avant de nous lancer dans la production, nous sélectionnons les femelles esturgeons à maturité sexuelle. En tout premier lieu, la femelle sera endormie avant que l'on prélève sa poche d'œuf, la rogue. Ces fameux œufs seront passés au tamis pour les séparer. Comme vous le constatez, ils sont durs, ainsi on peut les manier librement. Nous les nettoyons de toutes les impuretés, nous les égrainons et nous les égouttons pendant quelques minutes. L'étape la plus importante est le salage. Nous utilisons bien évidemment notre propre sel fin, un sel de résurgence non raffiné qui garde toutes les valeurs nutritives. L'étape finale de la production est la mise en boîte. Enfin, nous avons le caviar. Les boîtes seront mises en chambre froide avec une pression sur le couvercle pour faire sortir l'exsudat, l'excès d'eau qui résulte de la pénétration du sel dans le caviar. Le moment ultime arrive, la maturation. Pour moi, le caviar, c'est sexy.